Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Analyse Actu. Moi, qu'on a le sujet a tellement ébellé, l'actualité est tellement abondante, mais nous allons nous efforcer à pouvoir vous dire l'essentiel, parce que, information vérifiée et vérifiable. Nous allons nous appesantir sur l'actualité concernant l'union sacrée de la nation engagée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons aboutir à l'actualité sociale ou économique avec la société égale qui a arrosé la toile, Bolandi Yango, avec un communiqué annonçant la cessation de ses activités agricoles dans la province du Congo central, en passant bien sûr par la situation sécuritaire. Vous l'avez peut-être appris, il y a un colonel qui a été appréhendé d'après les informations en notre possession à Matadi. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour ou bonsoir chez vous. Merci de toujours suivre Congo Market Télévision, votre télévision en ligne. Et merci de nous suivre aussi sur la télévision numérique 10e rue, où vous êtes nombreux à apprécier le travail que nous faisons. Nous vous souhaitons nos meilleurs voeux de prospérité, de santé et de longévité pour l'année 2021 qui pointe à l'horizon. Alors, sujet Nabiso Aliboso, mais avant tout, Kotawana Bande Konanga, les lots, Nayo qui sont mon Elonginanga. Sommo. Je devais vite rejoindre l'UPEN. Nazaki na moi, Kokoso ya Mutuka. Nazu moto, non mais je vous jure, non. Mboko, il faut ma rambo changer. Mboko, il faut ma rambo changer, penza. Bo été. Na tamboli na moto, banda lingwala, ti upen. Mbe er na komi na bi, na zongi na bureau. Nazu papier serviette, na lekisine longi. C'est incroyable ce que j'ai vu sur le papier serviette. Papier à pembe et komi mwindu. Donc nous vivons dans la pollution auto qui parate tozo minimisant tozo monaka ka neti c'est rien alors que ba mboka ba ninga oko tambola pendant un mois oyebine ba tsaka sirage te ba yebi kutu sirage te parce que poussière ba yebi angote poto poto ba yebi angote. Mais on vit dans quel environnement nous tozo na ba conditions ni na mboko yo. Et bah tout nous ba gérer qui mboko yo toutes ces années. Ba yebi makambo to ba yebi angote. L'air ba voyage ka ba kenda ka bi pa ya bikolo bikolo ba ninga. Akena sapatu nenga kende ki nango ninga ko zonga na ngwata li tono mo kwa poussière ezate. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Na ba mboka ka ezingi biso en Afrika. Ba poussière eza boete. Pollution, les milling, les aboyetés, na Congo, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Ah, nzamba sunga mboko penza. Musala osa les a tellement ébellé, tellement ébellé. Mais puis batu bazana vision. Wapi batu bazana vision pour namboko. Wapi bat député bazana vision pour namboko. Baza wapi. Ba ministre bazana vision pour narubongo namboko. Baza wapi. Bon, espérons que ça va quand même changer. Tolobi likambo ya union sacrée de la nation Mokonzi Mboka a annoncé. Tomonaki na weekend Mokonzi Mboka a accordé audience et pa ya ndeko Bemba et ndeko Moïse Katumbi. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux des polémiques comme quoi c'est déjà l'exclusion parce que après avoir consulté Modeste Bahati Lukwebo quand il fallait maintenant formaliser l'union sacrée, le président n'a privilégié que ses anciens amis du rassemblement. Il a mis de côté Modeste Bahati Lukwebo, le sénateur. Alors que c'est tout faux. Lokuta. Politique, il y a manipulation dans Mbo Cannabis, il faut tika yango. Politique, il y a désinformation, il faut tika yango. Politique, il y a intoxication, il faut tika yango. Mais ceux qui botiki yango te, il faut compter avec nous sur votre chemin. Parce que tokote le melabino à chaque fois que vous disiez des mensonges dans la population. Qui vous a dit que le président a exclu Bahati a royamba été? Et Dieu merci que vous avez suivi le communiqué. Il y a AFDC, il y a Bahati Lukwebo, au baleki. Pour voir le bakéza, le kouta, communiquer ou aller l'équipe dans les réseaux sociaux, dans les médias,
bayebi yango te bayebi makambo wana te ne pourquoi ko kosa boy bolingi nini bolingi nini thèse na bino ya ko yebisa batu non Félix Tshisekedi c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et tout hier j'étais dans un débat sur la radio RTGA c'est Jean-Pierre Kayembe. Il y a un confrère qui est venu encore avec ce discours-là. Oh non, 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 c'était un auditeur. Non, à respecter qu'un engagement a été. Quel est cet engagement que le président Tshisekedi n'a pas respecté? Batangelinga, oh non, il n'a pas respecté l'accord au Bazaki Nangon à Genève. C'est quel accord? Et vous savez ce qui s'est passé à Genève? La trahison a commencé, comment vous le savez? Qui peut le dire mieux que Adolphe Mouzito? Qui peut bien vanter le président de la République, qu'Adolphe Mouzito, qui vous dit que Félix Tshisekedi, c'est un monsieur honnête? C'est lui qui a été trahi d'abord à Genève. Qui ne le sait pas? Mais bon, bah, yo kana ba bongo la match, bah, là, tu sais, il y a trahison. Mais, vérité, il y a un escalier. Il y a un escalier. Mensonge, il y a un ascenseur. Ouh! Mbalamo est commis. Mais vérité, il y a quand malembe, malembe. Oh non, Nairobi. Nairobi, c'est un accord entre Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Simanabango, UDPS et allié, et puis UNC et allié. Mais lui-même, Peter Kazadi, vous a dit que Vital Kamerhe, avant son emprisonnement, a renoncé à cet accord. Il y a Nairobi. Moi, je vous l'avais déjà dit ici. Naibi Sakabino que Vital Kamerhe Yemoko, à l'oban à président de la République, en tout cas, Ndekonanga, n'a moni tozui majorité te, tozouana no tozui, tobosana no makamunabiso ya akor wana, ke faragina zo primature, to tchango de côté, tozouana no président so tozui. Et il a renoncé na mandat, o eza koya après mandat ou ya président Félix Tshisekedi. Mais toko lobango combien de fois? Toko lobango nengenin, boyo ke la biso tiwapi. Lorsque nous vous disions que le verre n'était plus à moitié plein, est-ce que vous avez dit Mabiso? Il y en a qui nous croyaient, il y en a qui ne nous croyaient pas. Mais nous vous le disions, le verre n'est plus à moitié plein. Il est déjà presque plein. Et aujourd'hui, bon, niango. Bon, lorsque nous vous disions que les Égyptiens ont besoin de nous, est-ce que vous avez dit Mabiso? Nous vous disons, faites confiance à Congo Market TV. Nous vous amenons au bon port. Le président a reçu en audience Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Basololi. Parce que vous le savez, on ne peut pas arriver à la formalisation de l'Union sacrée de la nation sans que les leaders ne se soient parlé. Mais comment vous le pensez que bon, le président a mettre en place un pacte, parce qu'il faut, il faudra nécessairement, je m'imagine, que ça va passer par un pacte ou bien une charte Oye Bakotia en place, Oye Kozala signé par les différents leaders ou personnalités politiques, Oye Bakondima ko adhéré na Union sacrée de la nation, Bako ratifié charte ouana ou bien pacte moko, Oye Zako créé l'Union sacrée de la nation. Mais avant d'en arriver là, il faut que le président Ayoka Moutouna Moutou, parce qu'il ne peut pas, parce que ces gens-là sont des politiques, des politiciens si vous le voulez bien, et on ne peut pas gérer des politiques si on n'est pas en mesure de gérer leurs ambitions prises de manière individuelle pour chacun. Le président doit d'abord comprendre quelles sont les ambitions de Jean-Pierre Bemba, qui aujourd'hui, nous le savons, a été privé, n'a droit à l'élection et à l'éligibilité par la condamnation au Azaki Nae. Condamnation au Azaki pour raison de subornation des témoins. Et là, qu'au privé, il n'a droit il n'y a qu'à se porter candidat à l'élection. Il ne peut pas briguer un poste électif. Si ce n'est qu'un poste, il y a nomination au président qu'on nomme Elelo. Alors, ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas d'ambition? Ils ont des ambitions. Et lorsqu'ils viennent comme ça, avant qu'ils soient formalisés à travers une charte ou bien un pacte, il faut que le président aille au Kabango, aille à l'aspiration, à Moko na Bango. Et en ce moment-là, lui, comme il l'a dit, ils vont travailler selon ma vision. Ça, c'est ce qu'il nous a dit dans son discours du 6 décembre. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, nous avons dit, oh non, dengenini, consultation, si c'est là qui, nous continuons la consultation. Oh, est-ce que qui vous a dit que maintenant, le président est en train de poursuivre les consultations? Bon, appelez ça comme vous voulez, mais ce qui est vrai pour l'instant, avant de formaliser juridiquement
l'existence de l'union sacrée de la nation, il faut que le président ayo kabatouana. Ce n'est pas dans les 45 minutes, dans les 60 minutes, au basolola qui pendant les consultations, qu'aujourd'hui, on peut se dire, bon, on formalise, on y va maintenant pour l'union sacrée. Au départ, le président avait un désir, c'était celui d'écouter les Congolais par rapport à la marche du pays. Mais maintenant, il est question de formaliser la structure qu'il a envisagée pour mettre ensemble les fils du pays par rapport à la nouvelle gouvernance. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait indiqué. Parce que nous avons déjà l'ambition, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Oh non, Jean-Pierre Bemba, Asengi va payer ça y est, poste Moko na bureau et Assemblée nationale, Asengi va payer ça y est, primature, Asengi va longola va condamnation, on va revoir loi électorale en sa faveur et tout ça. Ça sont des supputations, il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça qui est vrai. Donc aujourd'hui, la priorité est ça. Koyokana sur la gouvernance ya mboka par rapport ya ba attente ya peuple congolais par rapport ya ba attente ya ba population. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble par rapport ya makambo etali le social? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble en ce qui concerne l'économie? Parce que boyebi yango boti kolanda tika ko nale la onka avance boti kolanda égal à sali communiquer. Oyo azolo ba ke akangi ba activité na ye na Congo central na ferme wana ya kanga soki kanga ni wana akangi akati ba azokata ba activité wana ya production agricole oyo koza na conséquence sur sa chaîne de production. Mais ba raison azo évoqué nga personnellement en analysant la question nazomo nango ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. C'est vrai que égal les alagi cités parmi les entreprises où ils ont bénéficié na ba exonération où ils ont été dénoncés par l'inspecteur général des finances. Mais est-ce que c'est une question aujourd'hui que égal et se permettre ou bien un dimanche qu'on kanga activité nango na Congo central avec effet immédiat sur ce qui se fait comme approvisionnement na ville à Kinshasa. Est-ce que quelque part ça, c'est moi qui analyse. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une volonté quelque part? Parce que nous savons que Albert Yuma, qui était le patron ou du patronat congolais ou le patron de la FEC, qui a été défenestré dans l'élection à Sukawa, est-ce que ce n'est pas une manière de vouloir asphyxier la ville de Kinshasa par rapport à l'approvisionnement? Boyebi yango bien que ba privatisa ka approvisionnement y a ville à Kinshasa, kaka bangone ba doka approvisionner ville à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas une manière il y a quoi se fixer la ville pour que Batouba Jabilo wa Roliate Bilo ko yana Kinshasa te l'er bakangi makambuya exonération au bazwa ki yango de manière illégale. Oui, c'est vrai. Exonération esa procédure moko o esa ko existé dans la loi, ça existe. Oui, bien sûr. Mais maintenant lorsque Bino bozuba exonération de manière illicite bonda ko privé na état congolais ba droit o eko ko permettre que l'état fonctionne normalement. Mais IGF a zongi se ba tunanze là. Mais est-ce que ça dépend par exemple du ministère de l'économie? Moi je sais que non, ça dépend makambu ya o IGF a dénoncé qui ba exonération illicite o epesama qui par exemple na égal dont il est question aujourd'hui. Et ça ko exécution ngo ça ko dépend du ministère ya finance ya sele ya gouli. Moko abatu ya FCC. Mais est-ce que nous devons considérer aujourd'hui pour la monnaie communiquer ya égal les autres non baza bloqué. Bloqué par qui? Tout ce que je sais que par exemple approvisionnement en carburant ya égal. Ezayi ko se faire soki na société na baza benga soki kuntwala. Kuntwala na pe bango na bango kaka. Mais kuntwala tu ebi ke mi beko eza na mboko par rapport ya ministère à économie, ministère à économie avait simplement essayé d'équilibrer comment on appelle encore stock ya carburant na niveau ya kuntwala qui n'avait le droit que d'approvisionner la société égale na par rapport ya acheminement ya matériel ya ba produit aux autres na Congo central et na ville à Kinshasa. Parce que Moussala Waneza Moussala Yatina au ministère de l'économie et Salaka, pour na koyeba quantité nini ya carburant, ezo kota na ville ya Kinshasa, ko veiller sur ba stock, waneza ba prérogative, ya ministère de l'économie.
mais ceux qui toi dans la société na biso wa sep Congo ouais ça là comme musala wana ya ko acheminer carburant c'est pas n'importe qui wa ko sala yango mais ba PC société compte toi la autorisation ya ko approvisionner société égale. Mais en même temps, je disais qu'on la wana, et bien, on commercialise le carburant, et bien, on a carburant. Ce que je dis, c'est que nous avons dit que nous avons société wana. Une manière de faire le Congo. Il est temps que nous avons reprendre conscience pour l'intérêt de Mboka, pour l'avancement de Mboka. Nous avons Albert Yuma. Nous avons gestionnaire ya égal. Moi, je suis de ceux qui pensent que quelle que soit responsabilité topé colo société X ou Y ou ezak ko salelo na Congo ezalaza ya Kabila ezalaza ya mama Olive ezalaza ya ndeko Zoé ezalaza ya ndeko Jeannette ezalaza ndeko Shadari ezalaza ya Mwilanya ezalaza ya nani ceux qui société wana ezak ko travailler ezak ko employer ba congolais. Je suis de ceux qui pensent que nous devons sauvegarder les acquis au déjà dans Katia Mboka. Nous ne devons pas agir comme au jour d'autrefois. Le lorsque OK Otalise qui est devenu Kawele. Le jour na koma na okaka po sa rolela. Le jour na koma kana ngomba Kawele. Quand j'ai regardé les ruines ya Kawele, na okaka po sa rolela. Et pourtant on pouvait bien garder ça comme un site touristique. On pouvait bien les garder. Le long de Mberiminde, le basio, basio, kendota, la, kawele, sika, aigle, kawele, zako vanda. Mais regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Qui ti homo bouto, zako vanda, le loyo, eza na mongale, ma kuna, na musée national, eza na, nani, na théâtre de la verdure, kuna. Qui ti na ye ezali, e koti na ye ezali, nini, kan na yewan ezali, batu ba kendakana ba kangaka photo. Mais ceux qui te gardaient qui, kawele, le loyo. Mais regardez comment on a détruit ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'aujourd'hui Kingakati bato bakani ba revaka qu'un jour bakende ko piller Kingakati. Moi je ne suis pas de cet avis là. C'est un investissement. Ceux qui vous pensez que Kabila ne les mérite pas, ça doit revenir au pays. Est-ce qu'il faut les détruire? Non. Bon qu'il y ait la justice, bon prouver que Kabila ne mérite pas d'avoir ce site là. Et ça qu'on revenir na mboka, et ça va bien na mboka. Bon gagner la justice. Et revenir dans Mboka. Mais ba velléité ya pillage, ba velléité ya destruction, ça nous devons dire non. Ya ngonga na za d'accord te na makambo égal azo sala. Owa kanga production na ye na Congo central pour asphyxier la ville de Kinshasa. Non 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 non. To sengi e pa ya mama ministre à économie. To sengi e pa ya papa ministre ya finance. To sengi e pa ya papa IGF. Bolande la likambuana. Tozana posa te to yo kaono ba travailleur a égal ba ngana ba bimina balabala po égal a kangi société une manière ya komema ba tuna balabala komema ba tuna asphyxie po ba dégoûter le pouvoir en place ba jewana to timbele ngo to linga ngo te. Nous avons appris likambu ya arrestation ya colonel comment il s'appelle encore le colonel colonel, attendez, je retrouve son nom. Oui, le colonel Kabengele Amundala. Kabengele Amundala. En déconnant, nous devons faire attention. Nous avons traversé un moment très difficile pour notre pays. C'est un temps très compliqué pour ce pays. Parce qu'il y a des forces qui se battent. Des forces qui se battent contre le changement. Et en ce moment, nous risquons de vivre le pire. Nous risquons de vivre le pire au pays. Au même moment que le président de la République est concentré à vouloir mettre en place des bases solides pour le relèvement de l'économie, pour la stabilité du pays, il y a des personnes qui ne cessent de mijoter des plans visant à éliminer le président de la République. Babiloko wana nyonso, nous devons renoncer à ça. Pas seulement renoncer, mais aussi, nous devons dénoncer. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la tranquillité. Ceux qui pensent, qui sont en train de rêver aujourd'hui, le retour du président Kabila aux affaires, ils sont en train de se tromper. Bango anande bazako tirer ba ficelle. O bazako croire qu'ils peuvent encore plonger la ville de Kinshasa dans l'insécurité.
ou plonger les provinces voisines de Kinshasa dans l'insécurité. Ils sont en train de rêver ça. L'herbe moni, le président Kabila, à Kena na Katanga, Babio c'est fini, il est parti à Kiminae. Bamoni, Janine Mabunda, à Kena Dubaï, peut-être pour revenir et repartir pour de bon. Bamoni, Ndeko Ruberwa, Yewana Kena Afrique du Sud, Babio nonte, à Kepona maladite, Koki Magnon Soyangwana. Et vous avez des gens qui ont des velléités, il y a qu'on crée instabilité dans la ville à Kinshasa, qu'on crée instabilité dans le pays. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui minimisent les informations ou les renseignements. Les services de renseignement, les services d'intelligence du pays, je crois que ce n'est pas le moment de dormir ou le moment de négliger l'information. C'est le moment de saisir l'opportunité de chaque renseignement, de chaque information qui parle de l'insécurité, qui parle de l'assassinat du chef de l'État, qui parle de l'insécurité dans le pays. Chaque information vaut son pesant d'or. Ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment de se livrer à la distraction, Bande Konanga. C'est le temps où nous devons veiller. Veiller alors, être vigilant. N'a pas d'information qui doit circuler. Balobi, commandant mon côté, officier supérieur mon côté, à quoi qu'on s'est déplacé de la zone où il est affecté ou de son lieu de travail pour aller dans un autre coin de la République sans autorisation de la hiérarchie. Mais vous avez quand même des officiers qui se le permettent. Non. Je crois que Moussala DG Medosala Mikoloyo, il faut qu'on encourage Yango. Moussala Aner Adosala, il faut qu'on encourage Yango. Moussala FRDC Badosala, il faut qu'on encourage Yango. Mais nous vous appelons à plus de vigilance. Nous vous appelons à plus de vigilance. Parce que tout en apposaya, qui m'y a pas encore développé Mbokaoyo. Aujourd'hui, Nakata Mbokaoyo, femme et enfant militaire, Badan apposaya paix, autant que nous autres. Donc, ce n'est pas le moment, pendant que le président est en train de s'occuper des questions politiques, qu'il y ait quelque part une distraction par rapport aux questions sécuritaires ou militaires. On a suivi ce conseiller principal affecté na cabinet. Il y a conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Ndeko Yann. Ce qui s'est passé, nous devons le dénoncer. Ce n'est pas normal. Lorsque nous avons combattu pour obtenir un état de droit, ça suppose le respect des règles, le respect de la hiérarchie. Nous ne pouvons pas encourager Batu Oyo Bazako agir au détriment, il y a respect. Yami Beko, ça nous ne pouvons pas encourager. Ndeko Yen est parmi les personnes qui ont combattu pour l'avènement d'un état de droit. C'est un combattant de l'UDPS. Donc c'est parmi les personnes qui sont censées aujourd'hui prêcher par l'exemple. Mais moi j'en appelle na conscience Yen Ndeko Nabiso pour que à revenir na bon sens. Il a effectué des missions, il a effectué des tournées. Parfois, sans autorisation, il y a hiérarchie naïe. C'est ce qui s'est passé. D'après les informations que nous avons, nous ne l'avons pas eu au téléphone, nous n'avons pas échangé avec lui. Nous le ferons avec plaisir si jamais nous avons l'occasion. Alors, hiérarchie naïe, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il n'a pas apprécié le déplacement naïe, notamment à Rwanda, le déplacement naïe, ou tout ça récemment, dans Matadi, en Afrique du Sud, ainsi de suite. Son chef hiérarchique n'a pas accepté cela. Et il l'a suspendu. Mais moi, je suis étonné de voir aujourd'hui qu'il y a un vent qui souffle aujourd'hui. Oyo, il a soufflé dans les médias. Oba Tobandi, qu'on s'est ingéré dans Katia organisation, dans Katia administration. Non. Mes chers compatriotes, nous devons faire attention. Nambo kanon se mibe ko ezalaka. Oui, c'est vrai. Le président de la République, nous avons besoin de le protéger par un entourage confiant, par un entourage sûr.
Nous avons besoin de ça. Mais aussi, en même temps, nous devons respecter l'administration. Ceux qui nous disent qu'il y a un cabinet à Mukondiamboka, ils doivent respecter la hiérarchie. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. C'est comme ça. Donc, autant nous voulons que Bande Konabiso, au bas combattant qui nous Mukondiamboka, base là tout autour de lui, pour nous assurer surveillance, vigilance, sécurité et tout ce que nous voulons. De la même manière, nous devons aussi exiger par Bandeko Wana respect, il y a des règles et administration. Parce que Bangonde Baza qu'on représentait image, il y a eu des pèses. Baza qu'on représentait image, il y a combat, il y a sphinx. Bangonde Baza représentait image Wana. Nous ne pouvons pas accepter que Bateau Baza qui ne m'a qu'on la sphinx. Parce que sphinx lui-même n'a pas été quelqu'un qui tolérait des bêtises, qui tolérait le manque de respect dans la hiérarchie, le manque de respect dans le texte. Il n'avait jamais toléré ça. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui, Batoyo Babundi Bitumba pour l'avènement d'un état de droit, que Babanda ko soutenir Batoyo Bazo respecter l'administration T. Ça, nous ne pouvons pas encourager. Nous ne pouvons pas encourager, chers compatriotes. Autant nous souhaitons que le président soit bien entouré, qu'il soit entouré par des gens que nous connaissons. C'est tout à fait légitime. Cette aspiration-là est légitime. Ce besoin-là est légitime. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter que Bateau Baye tout autour du chef de l'État, Babandako s'illustrer par des comportements Oyoza républicain T. Babandako s'illustrer par des comportements Oyoza qu'honoré combat à Étienne Tshisekedi T. Ça, nous ne pouvons pas encourager. Nous ne pouvons pas. Ndekoyan a copurigé sanctions Naye. Et la sanction administrative par rapport à la suspension au Yazui, à copurger en ce qui a s'il ici, ce qui a s'amende, à reprendre poste naïe. Qui ne vous dit pas que lobby va commencer à y grade, va commencer plus que place à Zawana. Mais ceux qui le à côté en porte à fond, na chef hiérarchique naïe. Monique a besoin bloqué. Nana sengi na bande konangai, ba ndeko ba lingi changement et kota namboka. Tout le monde nous tient assez. Administration et administration. Tout respecter yango. Toto sabakonzi oyo baza établi. C'est ça l'état de droit. État de droit yango wana. Je crois que je vais terminer par saluer l'action quand même posée par Mama Denise Nyakeru, Mama Santé. Mama Santé Maton Domingi. Et là, quand même, poser beaucoup d'actes à la fin de l'année. Ah ouais. Pas seulement envers bah, journaliste. Ouais, bah, journaliste. Maman a kipagi quand même bah, journaliste. Ouais, maman santé a kipé bah, journaliste. Na soukambou là. Matoun dinayo maman. Matoun dinayo maman. Et ça va ma kambou, et ça va la matin mboka oyo. C'est vrai que vous en avez posé ça pour tout le monde. Mais déjà, na ba oyo, bandi na bango. Merci pour na yango. Mais tout ça me lance un pambolo et belé pour que ce qui attaque un journaliste non soit Congo. Je sais que c'est impossible. Déjà que rien qu'à Kinshasa on est ceux qui 2500 journalistes, ce qui est difficile à faire. Mais vraiment on croit que nous avons beaucoup sungayo. Merci pour nous sali. Lelo yo accorda qui audience na famille à Thérèse Kapangala de heureuse mémoire ou Atika Kibisu depuis le 21 janvier je crois 2016, si je ne me trompe pas. Ayamba qui famille Wana, Talisi, qui a porté mon amoutema. Et elle a toujours fait, hein, après l'information, à ça la rango toujours, mais Mbalo Ayamba qui bango, la présidence, à Sololi na bango, qu'on encourager bango, qu'on fortifier bango, qu'on yisse bango, qui a toujours le longo na bango, le président a le longo na bango. Aza ko comprendre peine na bango ya ko perdre ba parents et maman Denise maman santé à lobby eza li so tolérable té na Congo na biso que ba to ba perdre ba parents ba to ba perdre bana na ba condition moko tragique. Voilà le message qu'elle a transmis encore la pambolaye et nzamba sunga vraiment Congo na biso tout ça ba to amouté maman la mouboyé o bazana souci ya ba congolais ba to bazana vision. Il y a Mawaya Congolais. Congolais a changé. Congolais a se développé. Congolais a se pila. Et ça, penza pour ça, Nabiso Nyonso. Merci Mingi, Nabiso Nyonso Bolanda Kibiso. Na pesimbote Nandeko. Tony Tambou.
Maître Tony Tambou, Maître Tony Tambou. Le sac qu'on a eu ici à Ozali, Motoa Mayele, Motoa Bouania, Maître Tony Tambou, bah conseil de temps en temps, moi, bah idée de temps en temps, Moussala, tout ça là. Merci beaucoup, Maître Tony Tambou. Merci Mingi na Molonga, Inayo Mamada Nadege. Merci Mingi, Tozana Souka Yamboula, bah meilleur vœu Nabiso, et Paya Bande Konyon Soyo, Bazana groupe WhatsApp, Amis du Changement. Bande Konyon Soyo, Bazana groupe WhatsApp, y a Amis du Changement. Groupe Nabiso, bien sûr. Topé Sibino, ba meilleur vœu Nabiso. Il y a prospérité, il y a longévité, il y a santé, il y a ba bénédiction. Bolam Nyonso, naba ami du changement Nyonso. Bandeko Nyonso, yo, ba sepela kana musala tozo sala. O bazo kumisango, bazo bengabiso, bazo komerabiso, na Facebook, un peu partout. Merci Mingi pour naba encouragement Nabino. Totombele bino, ba meilleur vœu. Pour la tina année au 2021 au Tozo Banda, ba meilleur vœu Nabiso, et pas y a un pasteur qui est quelque part un homme bien qui s'appelle Arthur Kalala. Meilleur vœu Nayo, meilleur vœu à un apôtre qui est quelque part là à Kinshasa, Ben Shaddai Mwamba. Meilleur vœu Nayo, meilleur vœu et pas y a nani mususu na bosani, nani mususu na bosani, famille mobimba bisika non se bozali, ba meilleur vœu au nom y a Congo Market Television, meilleur vœu Nabiso et pas y a bande konyonso y a Ligue Populaire des Amis du Changement. Nous aurons le temps y a vous expliquer bino ce que nous avons mis en place, la Ligue Populaire des Amis du Changement, LIPA Change en sigle. Tu expliquer bino ango to ko bana expliquer ngona ba TV à partir ya janvier 2021. Mais sachez qu'il y a un très grand travail qui s'est fait sur le terrain à Kinshasa aujourd'hui. Tout ça déjà na ba point foko na biso na ba commune, na ba quartier, il y a ba Amis du Changement au bazan na kati ya Ligue Populaire des Amis du Changement. Un grand travail qui s'est fait, ba jeno ba ko se préparer déjà na Tchango kuna. Nous allons faire la descente comme tout ça là qu'on dimanche dernier na Upen kuna na côté à Masangambi là na côté à Verkis ba maman prophétesse bandeko Clément binonyonso le sac on a bino pe ba meilleur vœu. Je crois que nous sommes là pour l'intérêt des Congolais. Nous devons transmettre une vision du développement du Congo et du Congolais. Merci beaucoup, nous vous aimons. Numéro de téléphone na biso ya WhatsApp ezawana o mona kawana, appelez-nous. On est là pour vous. Merci Mingi na Balandia, 10e rue. On est ensemble. Merci à Jude Kadima Media Pro. Merci Mingi na Tite Kalambai. Viprociel. Merci Mingi na Ndeko Ali Kengele, Ndeko John Makula, Mama Divine, Oa Sungagi Pebiso, Ana Lelo, Nabandeko Nyonso Basungibiso. À la prochaine. Ciao.